مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم في برنامجكم الجديد لاكازا ديال سبور. هذا البرنامج الذي سيرافقكم خلال هذا الموسم ضمن الشبكة البرامجية من خلال سلسلة أفلام وثائقية، ريبورتاجات وكذا حوارات حول الرياضة الجزائرية وكذا العالمية. تخيلوا معي، نحن بالضبط في سنة 1958، بالضبط في منتصف الثورة التحريرية المجيدة. أبطال فضلوا ترك مكانتهم في فرقهم الفرنسية وهم في أوج عطائهم من أجل الالتحاق بملحمة كروية لفائدة قضية وطنية. سفراء الكرة، تتابعونه الآن. début février 1916, ils massent des troupes et de l'artillerie pour cette bataille qu'ils veulent décisive. Les actualités allemandes accourent pour filmer l'empereur, le Kaiser Guillaume II, venu encourager son fils, le Crown Prince, le prince héritier, à la tête d'une force de 150 000 hommes. بعد الحرب العالمية الأولى اللي انتهت في 1918 الأمير خالد لاحظ أن الجزائريين ليس لهم لا حقوق ولا مستقبل ولا مسلك ولا مسار ولا طريق لازدهارهم وتطورهم واندماجهم وكانوا على الاعتزال التام. فكانت له فكرة الأمير خالد يعني لبوتيفيس le petit-fils de l'émir Abdelkader, quand il a eu une idée, il a dit comment donner une idée au peuple jazaïrien, et surtout à la jeunesse jazaïrienne, après la première guerre mondiale, après 1918, après que les Jazaïriens sont morts dans la bataille de Verdun, les Gazi, après qu'ils sont morts et qu'ils ont participé, il a pensé que les droits n'étaient pas. Il n'y avait pas de droits. Ils ont participé في ضريبة الدم وضريبة الحروب ولكن باش يشاركوا في التنمية في السكن في الازدهار في الثقافة في المدرسة في المصرف لا ما كان عندكم حتى حقوق. J'ai vécu un petit peu le colonialisme. Je sais qu'est-ce que c'est l'ensoria, comment on était traité par rapport aux enfants européens, pas français, européens. Ce qui fait un Maltais ou un Italien ou un Espagnol, il avait beaucoup plus d'importance. في 1918 كي خلصت الحرب جاتو هذه الفكره. والفكره بدات تمشي رويدا رويدا حتى 1921 بانشاء اول فريق اسلامي اصيل جزائري من باب التكوين من باب هي مولوديه الجزائر. 1921 خمس سنين ما بعد تأسس أول حزب وطني جزائري النجم الوطني الجزائري في 1926 ensuite on a créé soit des Mouloudia soit des USM USM Oran USM Balabès USM Annaba USM donc l'utilisation du sport dans le combat de libération dans le combat libérateur dans le combat d'émancipation a toujours été une ancienne idée. Cette idée, elle a mûri et en 1954, le combat algérien a atteint sa maturité. Bleg fi itar ma yusma jibhat tahrir al-watani wa insha jaysh tahrir al-watani. Le FLN donc a trouvé que par le sport, il pouvait faire entendre sa cause. Et donc on a eu pendant cette période de 58 à 61, en fait la pré-représentation de l'État algérien. L'Algérie n'était pas indépendante, elle avait déjà l'équipe de football. Alors, quel était l'objectif? Eh bien, c'était de préfigurer l'État algérien. Je vous dis avec toute sincérité, c'est-à-dire, nous sommes en train de penser à la même chose. Nous avons vu le FLN, en 1954, il était en avance à la douleur. Parce que là, ils ont vu, c'est-à-dire, Fakou, l'importance, le vecteur du sport, dans une donc il fallait faire quelque chose dans le domaine du sport parce que c'est dans le domaine du sport que la cause va être encore blachor et c'est ça. Dans la même période, on a pu s'en rendre compte également avec la création de la CAN en 1957 où des fédérations de football à travers leurs États ont œuvré pour demander le boycott de l'Afrique du Sud en raison de sa politique d'apartheid.
Nous notons aussi, par exemple, les boycotts des Jeux Olympiques de Moscou et de Los Angeles, en pleine guerre froide, donc des États qui vont choisir leur camp et de ne pas se rendre aux Olympiades. On se rend compte à travers ces quelques exemples que je viens de vous donner que sur les 30, 40, 50 dernières années, eh bien le sport a été utilisé comme un creuset où l'on peut faire entendre des revendications, où l'on peut faire passer des messages, parce que c'est aujourd'hui un outil qui est extrêmement populaire et qui permet en tout cas à une grande masse d'entendre un message, d'entendre une voix. Once again, the communist world holds a festival of youth, drawing thousands of visitors from both sides of the Iron Curtain. This is the sixth festival and it's in Moscow, but there's a difference. They were designed for the export of ideas, propaganda being reinforced by spectacle, but the communist world, including Russia, is in a ferment, particularly among the youth. Une fête des jeunes qui se passait à Moscou. Une délégation a été choisie et Mohamed était parti comme chef de cette délégation. Aussi Boumzarag, quand il était dans la France, quand il était déjà dans la Fédération de France, il a participé بفريق تكون من طرف يعني لاعبين تاع كره القدم جزائريين سورتو دي زيتوديون اللي كانوا تما واللي كانوا يعني ان بو بارتو كون هذا الفريق وراح يعني نوزامي روس على ليبوك افي اكسبتي اسكيل بارتيسيب ان طونك ديليغاسيون الجيريان ومالغري لي ريكلاماسيون تاع يعني فرنسا ولا دو فوار اون ايكيب هكذا تاع الجزائر وانا نظن من تما اللي جات الفكره هذيك من بعد الرجوع تاعهم يعني لفرنسا اللي جاتهم ليدي دو كونتاكتي لي جوار اللي كاين تما اي سورتو باش يبنيو باش يكونوا هذا الفريق جبهه التحرير. ديجا يفودغي بارلي دو بومزراك محمد. محمد ايتي ان ايرودي. محمد سيتي كالكان كي افي في ليسي دو فيري اي كي افي كومونسي ا جوي براتيكمون دو توت لي زيكيب فرونسيز بوندون لا كولونيزاسيون. Que ce soit la GSO d'Orléansville ou le FCB Blida et toute la suite, quand il était lycéen à Blida. Et puis après, il est parti comme professionnel aux Girondins de Bordeaux, il a joué à Sète, il a joué dans plusieurs équipes et en plus de ça, il a fait partie du monde des entraîneurs et il a été avec Gabriel Hanau qui était le président de la Fédération française de football et créateur de l'équipe de la Coupe d'Europe. J'ai eu l'idée que je suis un groupe national avec les joueurs qui ont joué à ce moment en France. C'est l'idée qui m'a eu. Les joueurs qui évoluent dans un championnat français, professionnel, ils avaient beaucoup de d'avantages, beaucoup de trucs. Mohamed Torah, il fallait que choisir. C'est un choix. On a choisi de faire le Torah. Mais je vais faire le Torah. Je vais faire le Torah jazairien. Je vais faire le تأسس الفريق هذا وخرج الثورة من فرنسا والطليان والإسبانيول اللي يقرب لنا بعدنا حتى للصين حتى للصين مالا سيتون شوا كنا اختيار نكملوا نلعبوا ولا نكافحوا كي دخل فرنسا عاودوا ولاو راح اتصل بنتيفور بنتيفور فينيس ما يشعب واش قالو انا قاعد اتصلت بنتيفور واش هضروا بيناتهم حاجه اخرى مي بنتيفور ما كانش يقدر يكون في المعمعه باش لي كونتاكت ولا كان لعاب ملعب مشهور
هو منظر كبير وداروا علينا كل داروا علينا كل وما كانش اللي قال ما كانش اللي ما قالش لا كل وهما ثاني من بعد ما يتكلموا معنا ويقول لك قول لي درك انا ايه او لا وما عندك ما تخاف ils étaient tous dans les mêmes conditions, ils pouvaient à n'importe quel moment, c'était le plein de la révolution, à n'importe quel moment, ils étaient tous en danger. En décembre 1957, أنا كل أربعة نخرج بس حاولت مني ميليتير جندي كوا وتلاقيت مع بومزرق هكذا قاعد قدام السوق سلامة لاباس لاباس كشراك لاباس واش هكذا قلت كنا كل أربعة نخرج et c'est comme ça qu'il a commencé son travail d'ailleurs il était pratiquement en permanence avec Maouche qui était peut-être l'un des plus près avec Fanfan. Ils étaient les plus près de lui et ils étaient pratiquement tout le temps ensemble pour préparer le départ des joueurs. Il dit que tous les quatre, on se retrouve ici à 6. C'est comme ça. Je l'abrège un petit peu. La semaine de l'Oula m'a dit rien, la deuxième m'a dit rien, tel, tel. C'est fin décembre. Fin décembre, il dit qu'il 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 dit عالمية وكتب كلمة بالصح. Attention, il centre, Bayou reprend et c'est le but. À la 55e minute, trois buts partout, tout est à recommencer. Un moment, les Girondins ont la victoire à leur portée. Mais Firoud contre-attaque. Lance Carniglia. Qui descend et passe au redoutable Bentifour. Et c'est le quatrième but niçois. À Colombes, France-Belgique, comptant pour les premiers matchs de la Coupe du Monde, est suivi par 50 000 spectateurs. Les Français en culotte blanche contrôlent par Mekloufi. Sizovski, qui centre sur Wisniewski. Tir de Vincent, but. Nouvelle descente par Mekloufi, vers Wisniewski. Le Lensois tire, Sizovski accompagne et c'est encore un but français. Les Français sont déchaînés et deviennent éblouissants. Mekloufi contrôle. Donne à Piantoni, qui combine avec Vincent. Et à la 53e minute, Vincent marque un deuxième but pour la France. Yachine ne s'en remet pas. D'orange pour leurs beaux yeux, d'orange parce que c'était des génies en football. Beaucoup de joueurs de cette équipe étaient sélectionnés dans l'équipe de France, pour aller jouer en Suède, à Stockholm, contre le Brésil de Pelé, de Vava, de Zito, de Gilmar, etc., etc. Il y avait quand même quatre joueurs dans le groupe qui étaient éligibles. Il y avait déjà Rachid Mekloufi, qui était champion du monde, dans le bataillon de Joinville. خلي زيتوني وبنتيفور العريبي كي كانوا ديجا دي ستار يعني دون الفوتبول دون الفوتبول الفرنسي. Et là j'ai une pensée pour deux joueurs, Zitouni et Mekloufi, qui sont sélectionnés en équipe de France en 1958. Oui, nous parlons de la même équipe de France qui va finir troisième au championnat du monde. Deux joueurs extraordinaires, deux très grands joueurs qui a apporté une colonne vertébrale à l'équipe de France, qui l'a complété merveilleusement, magnifiquement. Est-ce qu'avec ces deux joueurs, l'équipe de France aurait pu remporter le championnat du monde 1958? Est-ce qu'avec la présence de Mekloufi en Suède, on aurait eu un Rachid Mekloufi aussi populaire que Pelé et qui aurait certainement marqué des buts vu la qualité de son jeu? Voilà l'impact en tout cas que la création de l'équipe du FLN a eu sur ce joueur, c'est-à-dire aussi ce véritable crève-cœur. On ne le saura jamais. Avec des si, on peut refaire le monde. Mais en tout cas, parfois il m'arrive, moi, quant à moi, d'imaginer ce qu'aurait été l'équipe de France avec ces deux joueurs. Une équipe extraordinaire qui aurait pu remporter le championnat du monde 1958 et balayer le Brésil. Numéro 10 interne de l'équipe d'Espagne qui lance loin à suivre pour Di Stéfano. Zitouni
Et finalement Zitouni, oh là là. Dégagement de Carmelo vers le centre, c'est Zitouni cette fois-ci qui surveille Di Stefano qui s'appuie un petit peu sur le dos de l'avant-centre espagnol et qui est sanctionné d'un coup franc. Suarez, Di Stefano tout de suite à toute allure. Essaie de tromper Zitouni, n'y parvient pas. Touche jouée par Calero pour Di Stefano. Heureusement que Zitouni est là, se couche sur le ballon et empêche Di Stefano d'avancer. Un joueur comme Mustapha Zitouni a été promu pour aller au Real, il est allé à Tunis, alors qu'il coûtait des centaines de millions de francs à l'époque et le franc lourd. Mais le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser, ce n'est pas possible. On laisse des situations en or, des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière sportive. Ma carrière sportive, et puis j'avais quand même une carrière footballistique professionnelle intéressante. De pouvoir jouer à l'étranger, de pouvoir faire la Coupe du Monde en 58, donc j'ai beaucoup perdu. Et Rachid Mekloufi dira bien plus tard que pour lui, ça ne se discutait pas. Ces joueurs ont sacrifié leur carrière parce qu'ils étaient professionnels, forcément ils ne l'étaient plus. J'étais footballeur à Saint-Étienne, on gagnait de l'argent, on gagnait des matchs, on gagnait tout ça. Mais en tant qu'homme, j'étais nul, j'étais rien du tout. Cet acquis que j'ai obtenu pendant 4 ans avec l'équipe de FLN, je n'aurais jamais pu le combler avec tout l'argent que j'aurais gagné à la Coupe du Monde. Je suis Madame Boubekeur Lila, et c'est gentil de m'avoir invitée. Ça me permet de parler de mon mari, parce qu'on ne parle pas souvent de lui. Un jour, il m'a franchi. Mais il m'a dit, quand il était vraiment sûr qu'on allait partir, qu'on allait quitter, qu'il a été contacté, il m'a franchi. Et là, quand j'ai... Qu'est-ce que je dis, c'est mon mari, je le suis partout, c'est normal. Il m'a dit, il faut qu'on parte tel jour. Et j'ai pris quelques affaires pour le petit. Et on a tout laissé, on est parti. Mais attention, c'est pas que je regrette, au contraire, il a fait ça pour une bonne cause, pour son pays. Un certain nombre de footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole, parmi lesquels d'ailleurs se trouve ce qu'on appelle un militaire en absence illégale, Mekloufi, et qui dans 3 jours sera un déserteur. Le 13 avril, on s'est rencontré dans le flanier, tout le monde. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. بوم زرق يخمم يخدم شوف شاب لي لاعبين تاع موناكو كاين 4 وكان موناكو مع اونجي تعمل 5 لاعبين مع عمار رواي الله يرحمه اللي كان يلعب في اونجي وبنتيفور بوبكر بقدور بخلوفي الله يرحمهم وكل وزيتوني يلعبوا في موناكو دوك هي طريق قريبه للطليان فانتيمي راهي غير تم اون افي رانديفو توس ا فانتيمي la frontière italienne. Et nous, on était connus parce que tous les vendredis, avec mon mari et 2 autres footballeurs, on allait faire notre marché là-bas. Il y avait Betty pour sa femme, les enfants, Zitouni, qui est arrivée un peu en retard, avec sa femme et les enfants. Oui, elle avait 2 enfants et moi. Et on a pris le train et on est arrivé à Rome. Quand on est arrivé à Rome, on nous attendait, des personnes du FLN sûrement. Vous savez, moi j'ai un mari qui ne me disait pas grand-chose hein, quand je demandais, quand il voulait me répondre, sinon il me disait, écoute, tu ne sais pas, voilà. Donc je voyais que c'était, bon, ils ont parlé avec les hommes et tout, on a pris le train et on est allé à Rome. Actualité de midi, une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes, c'est qu'une équipe comme Monaco qui est deuxième du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes est privée de 4 joueurs extrêmement importants. Zitouni son arrière central, Bentifour son ailier gauche, Boubekeur son gardien de but et Mekloufi un excellent avant. Ce sont des pertes très graves. C'est un coup sérieux pour Monaco. C'est un coup sérieux aussi au portefeuille si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. Moubarak Tania Kantmabin. بيزي وسانتيتيان كان مخلوفي كرمالي ما لعبش كان في ليون راح لسانتيتيان قريبه والعريبي اللي كان تماتيك يلعب في سات راح تماتيك هايدي كيف هو المباراه الثالثه
المباراة الثالثة كانت ما بين رينس وتولوز. تولوز كاين إبراهيم بوشوك وأنا في رينس. هذه كنت عاد في غار دو ليون حنايا في أربعة. بوشوك إبراهيمي أنا وبو مزرق باش نتلاقاو لا غار دو ليون باش نديو الماشينة تاع العشرة وخمس دقائق تاع الليل. اللي هرب على جنيف اللي هرب على بروكسل هذوك اللي هرب على الطليان تحت زيتوني وبخلوفي وشابري بنديفور هذو كان في موناكو خرجوا مع الطليان حنا خرجنا من بروكسل وفوجا خديناه في بون بلاد ألمانية هذه ومن بون تلاقينا كون في روم. Tous vedettes internationales du ballon rond ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord. عندنا اتحاد على 7 غير 4 بفيل لاكار هكذا كان الحال انا لحقت لعبو ما كنت سامع بلي مخلوفي انجرح لحقت لاكار دو ليون انايا اللي نسمع ندور وعندك حاجه قال لنا بو مزرق بالك واحد يهضر مع صاحبه ما تعرفه ما يعرفك يا لو كان هكذا تقطع قدامه وتشوفه دور راسك ما تعرفوش خلاص وكل واحد في فاغون ما كنتش ما تبروش سواسو هكذا كان الحال انا صبت روحي وحدي بون قلت بالك راهم ديجا طلعوا ولا راه في كي لحقت لا سويس على 7 غير 4 اني نستنى لحقت العشرة تاع الليل قريب نشوف ماشينه واحده اخرى تدخل لفرنسا عاودت وليت خديت الماشينه هذيك لحقت نورمال كي لحقت لا غار دو ليون جيت خارج فاليزات تاعي قلت بون دونك لازم نروح نشوف بومزرق واش كاين واش صار وانا ما كنتش سامع بالجرح تاع مخلوفي وكان سمعت ربما بالك نقعد ولا نقعد في سويسرا هكذاك بجوف حتى نشوف واحد تاع لا اس ان سي اف تاعهم هذاك كاسكيطا تروز ايطوال رحت ليه قلت له باردون مسيو سكي نيا با ان تران سور جنيف وسور لا سويس قال لي فوز افي ان تران كي بار لا غار دو ليست سي لو رابيد Le pullman, il part à 8 heures. On a dit que de l'eau. Il a dit, vous avez juste le temps. Je taxi. Je suis taxi. جندي معوش محمد الانترناسيونال انتروفابل هاي اللي كيفاش كانت في واش ندير رحت حكيت الماشينه هاني رايح بالماشينه رايح لحقنا الحدود سان لوي هاك عارف لي بيلمان جدد هذوك لي تران ينحل منا ومنا اوتوماتيك وما عندك وين تهرب ما عندك وين تهرب يجي بوليسي ودواني باسبور انا ديكلاري باسبور ويلحقوا هكذا بور فير لا جونكسيون كما نقولوا يتلاقوا كي لحق عندي قال لي غير ديكلاري قلت له غيان بوليسي قال لي باسبور انا زعما حبيت اللعبه دي كونتراكتي عطيت له باسبور هكذا حل باسبور شاف واحد الثانية هكذاك 10 سكوند با بلوس صبت روحي مسوس Alors, quand ils
كاين كل واحد نسمع دي زافونتور كاين يا رب قطع لا فرونتيير ابي كاين بار بواتور كاين كل واحد ديزون با دون لي سينما في كي خرج من السجن وليت رانس ما رانس لعبت 3 مباريات معاهم وما قالوا لي بون تما نسلفوك للريستورا باغي تما ديك اللي عرفت اللي رحت عند زوجتي او فلي ولاد زوجتي حتى واحد النهار بن عبد الله المعلم تاعها المحامي قال يعطيني الليستات تاع اللاعبين اللي بقاو بيان سور نعرفهم وين كان عملت له شوف بوشاش لوهاف ماحيران حمد عرب ليموج بوردو عمارة الله يرحمه كيما توفى بوريشا ولي كان في نيم واسمه جبيلي وكادر في رود وكرون في طروة هادو اللي بقوا قال لي لازم تروح عند دراهم عطاني 5 ملايين هذاك الوقت 5 ملايين بس ما كنتش وحدي انا مدام بوشاش ومدام عماره ومدام وليدو بوريشه ومدام ولي كان وحده كرو مع مدام وليدو دونك لازم سا با ايتي فاسيل سا ايتي تري ديفيسيل بور كي بيس باش تلم 12 جوار بروفيسيونيل وباش تفوتهم لا فرونتيير ومن بعد ترفدهم من جنيف باش تديهم لتونس كل حاجه هما ولادهم طلع حساباتك من باري لو هاف رين بوردو فجزنا على رين ليموج بوردو نيم تروا رين سديت حوايجي باري ساربروك ماشان نون ستوب ما ترقد في اوتيل 48 ساعه غير دميك والحمد لله هكذا كان الحال لحقنا لتونس Et donc cette équipe est née et elle a porté le combat libérateur, elle a fait avancer la révolution, elle a eu un impact médiatique exceptionnel. Cela a provoqué un effet de sidération en France. Une trentaine de joueurs issus des championnats de première et deuxième division qui décident de quitter leur club pour rejoindre une équipe qui va marquer l'histoire du foot, l'histoire du sport et également l'histoire de la politique. Chez les dirigeants et chez les supporters, ça a été l'incompréhension quand cela s'est produit. Et pour que vous compreniez le choc qu'a bien pu ressentir le championnat de France et même le pays tout entier, nous allons faire une analogie explicite. Imaginez que, par exemple, aujourd'hui, dans les championnats de Ligue 1, deux joueurs extrêmement importants du Paris Saint-Germain décident de le quitter pour aller rejoindre une équipe parce qu'ils ont une foi chevillée au corps. Faisons un peu de fiction et imaginons que Mbappé et Kimpembe décident de quitter le Paris Saint-Germain pour aller rejoindre une équipe pour les raisons que je viens d'évoquer. Eh bien là, il y aurait une incompréhension, de la colère certainement, assurément, et aussi cet effet de sidération. C'est la même chose qui s'est passée en 1958, quand dans la trentaine de joueurs, Zitouni et Mekloufi, qui étaient les deux vedettes, les deux lumières du championnat de France et eux d'origine algérienne, décident de quitter leur club pour aller participer à la création de l'équipe du FLN. Eh bien, il y a eu cet effet de sidération. Mais ce qui est extrêmement intéressant avec cette histoire de constater, c'est que cela a permis de, pour ceux en tout cas qui découvraient la réalité d'un conflit, de pouvoir toucher cette réalité de très très près. De non plus parler d'événements, mais de parler de guerre. De comprendre ce que vivaient au jour le jour et au quotidien les colonisés.
puisqu'il y a eu des rencontres internationales, elles étaient interdites par la FIFA. La FIFA ne reconnaissait évidemment pas cette équipe. Mbad Faransa qui chef de le مقصود ماشي لاعبين شخصيين برك اللي هربوا parce qu'il لعب يروح الفيفا ما دخلش اذا البلاد هذيك شتكات على تكوين فريق جبهة التحرير. Donc la France s'est plaint à la FIFA للجزائر دارت فريق. وعبر كيف كانوا يروحوا لدون دو تربي parce que باش بعد ليستوار يسو ريبيت aussi كانوا يروحوا كيف ما كانش ما سيتي با لي فيدراسيون قال دي بي كي انفيتي ليكيب دو اف ال ان ابار كلكو لا c'était les syndicats, c'était les syndicats qui ont eu l'équipe du FLN. On va de l'histoire. À un certain moment, il y avait aussi d'autres pays qui n'étaient pas reconnus par la FIFA qu'on a ardu. On parle de biais de légitimité. En pensant à la Chine, à la Corée du Nord, ardu-nous par ce biais. Quand ils jouent, ils jouent la boue à Fidzair. بلدان كيما تونس يزون باسي اوتر كان عندهم ابان كلكو موا ملي استقلوا دونك ما حبوش يستعرفوا ليبيا ما استعرفتش كاع بهم لان كان بلاد ثاني اللي استقبل كثير ليكيب تاعنا كانوا يروحوا تما يديروا دي بتي ماتش ومن تم اللي يروحوا باش يقلعوا لاي بلاد يعني قبل ما يروحوا القاهره الى اخره دونك لا ليبيا كان بوكو ايدي اي بي ان بوجور لو بلوك دو ليست تاع اليور اس اس a décidé de passer outre le tabou de la FIFA. Cette équipe avait un niveau technique, ces joueurs étaient des joueurs de très grande qualité. Ce n'était pas n'importe quelle équipe, c'était une équipe de très grande facture qui arrivait pour jouer et pour donner. Alors, lui, ils ont joué un peu partout, en Bulgarie, en Hongrie, ils ont joué un peu partout. Et ils ont été merveilleux. D'ailleurs, quand on voit les statistiques, on comprend ce que ça peut être. فني كانوا لاعبين قويين نبداو من حارس المرمى بو بكر الله يرحمه اللي كان حارس موناكو وكان حارس تاع الفريق العسكري في فرنسا هو اللي ربحهم الكانتيش انتم راكم صغار وكنشوفوا كان كيفاش كان يلعب نشوفوا زيتوني نشوفوا قدور بخلوفي نشوفوا محمد سوكان ها عبد الله ستاتي بوشاش مخلوفي كرمالي بوشوك ابراهيمي هادو كون كانوا يلعبوا في فريق قويين اللي كان يلعب في سمعت في تولوز هذاك الوقت في موناكو في نيس كيما بنتيفور الله يرحمه ها كان وكان يلعب في الفريق الفرنساوي بنتيفور كان يلعب في الفريق الفرنساوي مخلوفي كان يلعب في الفريق الفرنساوي زيتوني كذلك ابو بكر قلت كيف كيف انا عندي تصاور دقوريت لهم كنت نلعب في الفريق اسبوار ها هذاك الوقت دونك ما كاش كان عاود عمارة كيما مات كيف كان في بيزيي دفنون كي كان يلعب في أونجي كان ميرورا سنترال في فرنسا كان يديطروني جونكي زيتوني نحا جونكي اللي كان شكون يهضر معاه ما كانش اللي يهضر معاه كان كيما بيكنبور ولا خير وزيتوني دارو بلاصتو دونك تشوف شوية هاد الفنانين هاد وكل ما كانش شوف بوشاش الله يرحمه يحكم بالون سوكان عبد الرحمن كذلك سوكان محمد اللي كان قوي في الوسط الميدان عمار رواي ها شوف مخربو فيه كي ديماري ما تقدرش تحبسه يولد ولا راح خلاص يدير لك ها كانوا يسميوها لا فليش دو سيتيف ها هذا كان عنده امكانيات ما شاء الله وكل شوف كرمالي حرايمي كيما هذاك ما كانش ها ماشي تاع حرايمي تاع الدبزه ولا لا الفن الفن تاعو كان ما شاء الله الاول باش نوريو لفرنسا باللي الشبيبه بحالنا كل يوم راه يتموت وحنا ولا ممكن
نبقاو هنا نلعبوا الفوتبول. هذه هي النقطة الحقيقية نتاع الهربة هذه والتجنيد هذا. Connus mondialement, ils ont été reçus chez les princes, chez les hommes d'État, chez... vraiment, vraiment, j'ai des photos, j'ai des journaux, j'ai... Vraiment, ils ont été reçus, et puis, c'était une belle équipe. Il faut voir, ils partaient en costume, avec l'insigne, avec le drapeau sur tout, ils étaient vraiment, il y a des photos, vraiment, ils ont fait honneur à leur pays. على الاسيا سورتو على الاوروب سوسياليست الاشتراكيه في ذاك الوقت ومن بعد بالصين وبلا البلدان العربيه في كل بلدان هي في المغرب في المغرب كما نقولوا في تونس في ليبيا في البلدان العرب العراق الاردن فلسطين مشى للصين فيتنام ما نقدروش على اوروبا الشرقيه يوغوسلافيا تشيكوسلوفاكي بولون زوج خطرات عرضونا زوج خطرات باسكو شافوا بلي هذا الفريق كانوا يعيطوا لنا لي ديامون بران ايزون بون زاو جو بوكو دو ماتش ميم ان سارتان مومون يسميهم لي جلوب تروترز تاع الفوتبول سيتي لا لي جلوب تروترز سيتي ليكيب ان ان غراند ايكيب دو باسكيت امريكان كانت يعني مشهوره دونك لي سي اترافير سا اترافير لو فوتبول لا 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 كوز يعني ناسيونال زادت يعني كبرت اكثر. Ils ont remporté 65 victoires, 91 matchs, 13 défaites. Et donc effectivement, eh bien, on peut dire que cette équipe de football a été le porte-drapeau, elle a incarné l'identité nationale algérienne. لعبنا قدام 50, 60, 70, حتى 80 ألف متفرج. المباراة الأخرى مع يوغوسلافيا ربحناهم 5-2, 80 ألف متفرج. هذاك الوقت وعلاش كانوا ما يعرفوش ما يسمعوش بالجزائر ولا بشويه بشويه باش بداو يفهموا اللي يزون ابريسي يعني الفوتبول نتاعنا ما يقول لك هذا كيما يلعبوا كيما عندهم سياسيه كيما يلعبوا لابد عندهم معرفه دياب لقب وشيمين حسين ما كاش إدريس في ليبيا في المغرب كيف كيف في تونس بورقيبة هكي ديرنا والحمد لله والحمد لله. باسكال بونيفاس معروف معروف في العالم كل هو حب يفهم بزاف وعلاش يقول لك ليكيب ناسيونال دو فوتبول دو افلان a été le précurseur de la naissance d'une nation. Et à chaque fois, eh bien, on jouait l'hymne algérien, on hissait le drapeau algérien, et donc finalement, cette équipe nationale algérienne a préfiguré l'État algérien. Le match était fait à Belgrade, avec l'ambassadeur de France, parce que l'équipe a dit qu'on ne peut pas entrer dans le monde algérien. On ne joue pas avec... Qui joue le monde, le safir de France n'a pas ما خلوناش نسيو درابو ما خلوناش نديرو علاش خاطر ليكيب دو فرانس داتليتيزم كان تم اما لا قلنا احنا ما نلعبوش الا ما طلعناش درابو وما ليم ناسيونال ما نجموش نلعبو والاخرين تحصلوا اما لا في الاخر خلونا انا لعبنا il a été obligé de sortir du stade. Il a حاوزو من الستاد والعلم الجزائري ترفع. C'était la condition tous les matchs تاع l'équipe du FLN في الخارج تلعبوا بالعلم الجزائري. يعني c'est quelque chose de fabuleux. Déjà nous on a commencé à écouter l'hymne national avant Alger.
parce qu'il y avait Moukti Zakaria qu'on voyait souvent, celui, et on le voyait. Et donc ça nous faisait donner la chair de poule. Quelquefois on pleurait. Et puis les footballeurs n'étaient pas souvent à Tunis, ils partaient 4 mois, ils partaient 5 mois. C'était des ambassadeurs pour la cause nationale, et en même temps, je me goûte, c'était des ambassadeurs. Parce qu'ils jouaient du football pour une cause d'un peuple qui était colonisé. C'était des ambassadeurs, de véritables ambassadeurs. D'ailleurs, nous avons dit Farhat Abbas, Allah yarhamou, qui a dit que nous avons fait 10 années. Vous nous avez économisé 10 années de guerre. Et du jour au lendemain, le monde s'est dit que c'est un État qui existe, qui a fait des mouatnins ou des moujahidins. يعني يحاربوا باش يجيو على الحريه تاعهم لا ميور دي كارت دو فيزيت سي لو سبور الكره مشهوره كره القدم مشهوره هما المسؤولين تاعنا واساول الله عليهم هذاك الوقت لابد الجزائر تخرج عنده حق باللي تاخذ مكان في وسط العالم هذا وهي الابروف يعني Président de l'Assemblée nationale et aussi premier citoyen de la ville de Bordeaux qui remplaçait au pied levé, si j'ose m'exprimer ainsi, M. Missoff, ministre de la Jeunesse et des Sports. Le but égalisateur survenait à la 30e minute, une magnifique reprise de volée signée Rachid Mekloufi sur un centre venu de Herbin, un but partout donc, les deux équipes étaient à égalité et tout était à refaire. Ce pénalty allait être tiré par Mekloufi qui le mettait sur la gauche de Montes et réussissait le deuxième but, Montes déviant le ballon mais pas suffisamment pour le sortir de la trajectoire de ses buts. Les gens comme Mekloufi et toute la suite qui sont repartis, qui ont joué aux Servettes de Genève et à la AS Saint-Étienne. Mekloufi était un grand joueur. Mais ce qu'il a appris avec l'équipe FLN, quand il est arrivé, c'était tout de suite une vedette extraordinaire à la AS Saint-Étienne. Mais un très grand joueur. Reconnu, hein, reconnu parce qu'il y avait Snella et puis après Bateux et toute la suite. Mais on considérait que c'était peut-être l'un des meilleurs joueurs du football français. Ce que je trouve admirable, c'est l'après. À la fin de la guerre d'Algérie, quand ces joueurs vont revenir dans le championnat de France, et la réaction de certains, notamment les dirigeants de clubs, qui n'en voudront pas à ces joueurs qui les avaient quittés. Je pense par exemple au général de Gaulle, qui remet la coupe en 1968 à Mekloufi avec la AS Saint-Étienne, ou encore à Amara, qui va signer avec les Girondins de Bordeaux, alors qu'il avait reçu des menaces de mort parce que certains de l'Algérie française étaient encore présents et voulaient les faire payer, eh bien, va recevoir cette phrase de Jacques Chaban-Delmas, qui était le maire de Bordeaux, lui disant « Votre engagement vous fait honneur, vous engagez pour votre pays, vous fait honneur, bravo à vous. » Et il m'a dit « Moi, je vais à Monaco, j'ai un contrat. » Et il est parti. Et puis, quelques jours après, il est revenu, il m'a dit non. On veut me prendre, mais pas aux mêmes conditions que quand j'étais. C'est normal. Voilà. Et puis voilà, et puis la ville a commencé à entraîner l'USMA, le GSK, tout, jusqu'au jour où il en avait, il m'a dit non. وجميل وكل العبارات قليلة من هذه الفرحة الشعبية الرائعة ويحق للجمهور الرياضي أن يفرح وأن يتوج بهذه الميدالية التي أظهرت العمل الجاد والجبار
شهر ونصف فقط يؤديه المدرب راشيد مخلوفي وسكان ورويع عمار ومرافقوه من أبناء الخدوة الوطنية الذين حققوا ما عجز عنه الآخرون. الحمد لله نعتلم لفريق على كل حال عنده حاجة يعني اللي لعبتها في المباراة وكل يعني لعب بقلبه ولعب على الجزائر ولعب على الشعب هذا اللي راه. أنا نقول قانا باللي الجهاد الأكبر اتحاد الفريق هو قان بعد 62 يعني باش ما ننساوش كاع واش جابوا لنا لكرة القدم بعد الاستقلال. Ils ont contribué également au redressement en 62 du mouvement sportif national. Ils ont été joueurs, puis ils ont été entraîneurs, ils ont encadré les premiers clubs algériens à l'indépendance, ils ont encadré les premières équipes nationales. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, que les principaux titres obtenus par les clubs, l'équipe algérienne, ont été des titres obtenus avec des entraîneurs issus de cette équipe du FLN, les Kermali, les Maouch, les Zouba, avec dans leur club, que ce soit le Mouloudia, ou, etc. Donc, c'est des gens qui méritent respect. Il y a un grand rassid, ou un thmnouch, mais il se déche, mais il se déche. Il faut que nous nous لازم الحجم تاعو يكبر ماهوش يتقلص من سنه الى سنه من باب النسيان من باب الاهمال. الانسان بلاد مجتمع اللي ما يعرفش الماضي تاعو ما عندوش مستقبل، والرياضه لها دور كبير في المجتمع. ما جيتكم اليوم تفرح هذه أحب يقول فيها إنسان الغاشي مازال ما نساوناش. On peut dire que ça a été les héros en dribblant, en shootant, en marquant des buts, les héros de l'indépendance d'Algérie, une fois encore, une revendication qui était à la fois très visible, pacifique et donc qui était très rassembleuse, qui rassemblait autour d'elle et qui a donné une très forte publicité à la cause de l'indépendance. Je ne peux pas dire que c'est un sacrifice, c'est pour une cause, c'est pas un sacrifice, c'est un honneur si je vous dis, c'est un honneur. Parce que quand on parle d'équipe du FLN, c'est l'équipe du FLN, c'est quand même, c'est quelque chose. C'est des gens hors normes, c'est des gens qu'on aime. كنا بوكو الله يشدنا في اللي قاعدوا ان شاء الله ومن بعد باقي على كل حال رانا قاع رايحين حتى واحد ما هو قاعد والله يرحمهم والله يرحم الشهداء والله يرحمهم سايتي دي زوم اكسيبسيونيل فوالا حقا هم اشخاص مميزون استطاعوا بفضل تضحيتهم مهاراتهم وكذا أقدامهم تسجيل أنفسهم بأحرف من ذهب في تاريخ النضال الجزائري. وعلى أمل أن نلتقي معكم في العدد الجديد من برنامجكم لا كازا ديال سبور. يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم عمر بودي في برنامج لا كازا ديال سبور. سلام.